On est en train de faire repousser aussi de ce côté-là avec la sylviculture. Une ou deux baraques en plus, mais on est en train de faire up les gens. Mais ouais, une baraque ou deux en plus, ça serait peut-être pas con. On peut-être manquer de gars. Assez de ressources. De bois, moi. Personne sans bois. Définir la zone de travail. Non, pas ça. Si? Joseph, en vrai. L'argile. Homme, zone de travail. On est parti. Qu'est-ce que t'as là? Oh la boulange! Personne. Prix, attends, boulanger. Four communal. Bah, four communal, c'est finito du coup. Je pense que je peux même le détruire, non? Ça remplace le four communal? On va le garder pour le moment pour voir, mais je pense que ça le remplace. Hein. On est en mai, on est en mai. Bétail. M, une bête ici. On a des trucs à faire ou pas? Et non, c'est en train de croître, tout simplement. On a déjà chop ici, on va bientôt chop. Oh, on a un level up ici aussi. 81 balles. On peut se faire le petit brasseur, hein. On peut se faire le petit brasseur. On a fait le tailleur. On n'a pas fait le cordonnier pour les chaussures. Avec un rendement deux fois supérieur à celui du four communal. D'être assigné à d'autres professions. Ok. Du coup, on perd des gens à chaque fois qu'on fait ça. Hein. Alors que vous êtes bien au courant de ça. Oh, un truc chelou là, comme ça. J'ai vu un truc. J'ai vu un truc. Oh, c'est marrant. Maison de fou. Maison de fou. Et 4 baraques en plus. Là, il y a des petites baraques qui peuvent être level up. J'ai pas trop envie pour le moment, on va attendre. Condition d'amélioration qui a été faite. Oh, 50 balles en plus. On est à 126. Combien de pierres? Les pierres, ça va. Pas de soucis par rapport aux pierres. Je pense que le four communal, on peut l'enlever. Hein. Maintenant que j'ai réfléchi. Et là, ça sera peut-être un brasseur, en vrai. Brasserie. Brasserie milieu du village, ici, là. Bam! Lui, il est bien. Lui, il est content, je peux te dire. Petit potager. Quelques légumes. Potager. Étendre les espaces de vie. Allons-y. Petite maison niveau 2, là. Oh! Des poules. Full poule. Poule. Cool. Petit peu de carotte ici. Carotte là. Non, on veut pas avoir de soucis. On est en juin. La croissance 24%. La croissance 100%. 93. On attend. Là c'est bon là. Les deux champs de blé. Oh, j'ai failli faire de la merde. Les deux champs de blé m'ont l'air d'être corrects. Ça m'a l'air d'être bien joué. Et les bœufs là, qu'est-ce qu'ils foutent? Non affecté 1. Donc il y en a un qui se repose là, tranquille. Oh, et Erhardt là. Alors les bœufs, vous êtes pas dans les champs? Pas tout compris moi par rapport à ça. Besoin non satisfait. Ah bon?
Zone de travail vide. Ouais, bon. Ok. Ok, j'accepte. Ma deuxième game, chom chom. Sympa le jeu, mais je galère un peu, ouais, je comprends. Les moutons, ça donne pas de bouffe. Faut une ferme par champ. T'aimes bien le méchoui, toi. Ah, méchoui, c'est bon, ça. Ah, je suis d'accord, c'est bon, le mouton. L'agneau aussi. Putain, l'agneau, le petit bouton, là. Mais non. J'ai pas réussi à faire tuer un mouton. J'ai pas encore réussi à faire tuer un mouton, c'est pour la laine, le mouton. Je dis pas de bêtises. 7 mois de nourriture, 6 mois de combustible. Ça va au niveau de la bûchette. Hein. 213 baies, un pain. On a plus qu'un pain dans tout l'Empire. Dans le village. Je refais une poule. Je refais une poule. Est-ce que j'ai l'exportation à faire ou un truc comme ça? On a tout fait ici. Je crois qu'on les a tous mis. Hein. Les brasseurs à la con. Le tailleur. Le brasseur, c'est lui là. Ok. On va foutre des pommes. Ah non, mais là, les gars, vous allez vous aussi faire des petits potagers dans vos jardins. Pour qu'on soit un peu bien, quoi. Pour qu'on ait pas de problème de bouffe. C'est notre problème majeur. Et après, on fera église level up. Pas de problème par rapport à ça. Mine à ciel ouvert. Voilà. Un petit peu d'argile ici, apparemment. Ici, on va réorganiser notre coupe de bois. Hop. Oui, ça aux F. Lui, il y a toujours le mec là. Il est très très bien. Très très bien, lui. Hutte de boisilleur, on s'en fout. On en juillet, il va falloir mettre des mecs dans les fermes quand même aussi. Ok, let's go. 194 baies. Ah, depuis qu'on a enlevé la personne là qui était à l'atelier de teinture, effectivement, ça marche un peu mieux. Oh, les étals de marché. Regardez, on est bien là. Et je crois qu'il va nous manquer de la place un peu, ouais. Est-ce que je te refais un deuxième marché? Je pense que c'est pas une mauvaise idée, ça. On avait l'entrepôt spacieux qui était juste à côté. Hop, le petit marché. Où est-ce qu'on pourrait te le mettre? Non, c'est bien, là, le marché, là, en vrai, putain. Je me suis bien mis, là. Peut-être un marché à côté du comptoir commercial. Pas trop loin. Genre là, je prends cet espace-là, là, à la con. Hop. Combien? 6 étals du marché uniquement? Oh, c'est pas beaucoup, 16. 24, 25. On fait une dingue? Non. Voilà, ça c'est pas mal, ça c'est joli, ça. Ça me plaît bien. Hop. Pas besoin de mettre les routes comme ça, hein. Mais c'est juste que là, je vais prévoir justement d'aller de l'autre côté un peu plus tard. Ok. 71 balles. On est riche. Ah, on est riche. J'ai jamais été aussi riche dans ce jeu. Ah non. Hier, pas trouvé faire de l'argent. Est-ce qu'on peut level up les étables? Non. On a combien de places en étable? On a que 4. Nouvelle compagnie disponible. Qu'est-ce que tu racontes, mon frérot? Ah ouais, je comprends ce que t'es en train de me dire. 3 personnes qui peuvent venir en plus. Je regarde en bas à droite, hein. Août. C'est ça qui me... Bientôt falloir récolter, mais bientôt falloir mettre des mecs aux fermes. Ah, il va falloir faire une récolte précoce ici, hein. On a des sous. On a des sous et on a des œufs, putain. Level up ça, tu vois. On a 0 bois.
que je fasse gaffe. Plus qu'une personne pour les petites bûchettes. 80 sur 97. Eh, on va avoir un petit peu de blé quand même hein, ici. En vrai, alors qu'elle a été lancée un peu late. Plus 10, plus 10. 163 goals. On va peut-être pouvoir faire un nouveau colon. Comment ça marche les pâturages? Mal. Ouais, c'est plutôt ça, je trouve aussi. D'accord. On est en août. Tempo, on attend. Qu'est-ce qui te manque, toi? Comment ça te manquait du bois? Pour faire quoi? Ah, pour construire ça. On est en septembre. On est en septembre, il faut crop. Récolte 0%. Ah! Ah! Ça a dit... C'est maintenant. Ok, c'est bien. Ok, c'est bien. Par contre, il nous faut des gens partout. Il nous faut des gens partout. On va garder les gens là quand même, non? Ah, j'ai plus personne en construction. Le petit boisilleur ici, je pense qu'on peut oser. Et Jésus. Le monsieur qui s'occupe de Jésus. Oh! Les gens sont pas contents. J'ai enlevé Jésus, les gens étaient pas contents. 1 sur 8 ici. Non! 16 sur 18, 8 sur 10. Ah, ça a été crop bien comme il faut ou pas? Il y a des bœufs, il y a deux bœufs là dans deux fermes pour récolter correctement. Ah, normalement il y a une bête. Hein. Ils ont déjà crop ici. Eh? Ils ont déjà crop ici aussi. Récolte 0%? Ouais. Ah attends, il faut que je remette que j'ensemence quand même. 82 sur 114, 78 sur 110. Ça a l'air de marcher, putain. Je vois les bœufs qui sont dans les champs. Voilà. On va taper dans le moulin du grain. On est parti, les gars. Derrière la boulange, là, il va être content, le mec. On va faire des petits pains. Faire des miches. Je vais faire des petits bâtards. Ça va être bien bon. Regardez, il y a même les deux bœufs qui sont arrivés. Il y a tout le monde en fait. Tous les fermiers se regroupent pour pouvoir faire les dernières fermes. Ok. Ok, bien. Donc, pas besoin de full. Ainsi, besoin quand même. J'enlève un peu des gars. Il va falloir ensemencer. Et on a 298 balles. Ok. Avec 298 balles, je pense qu'on peut se faire une petite route d'importation. À mon avis. À mon avis, c'est possible. Qu'est-ce qu'on pourrait importer qui nous mettrait bien? Du seigle, oui. Pommes. Des pommes. On pourrait importer des pommes. Ou du miel, on n'est pas parti sur ça. Est-ce qu'il y a un autre truc qui nous mettrait bien? La cire? Pourquoi foutre? Du grain? Vêtements, on va faire tout ça. Hein. Ouais, on va apporter de la bouffe. On va importer de la bouffe, qu'est-ce qui coûte pas cher à importer? 36 le miel. La pomme. La pomme ou du miel? Ou les deux, mon capitaine. Importation, 13 importations. Moi j'ai bien envie d'avoir genre, je sais pas, 30. Allez, let's go. 30, 13, ça fait 400. Écoute, c'est parti, hein. Ça va me faire 262 à zéro ou...
Bon. Bon. Ou double jachère ici. Double, triple jachère et orge. Bah, j'espère qu'on va être bien hein, les gars. Hein. Rotation des cultures, champ. Garde manger. Ils sont en train de faire des trucs. Là on en semence. Okay. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin d'une malterie. On n'avait pas fait ça encore. La petite malterie. Malterie, malterie. Pas envie de la mettre forcément trop trop lent, ouais. C'est un peu l'extrémité. Il y a encore une baraque où les gens peuvent venir. Et ça, ça me saoule. Le bois, là, j'ai des problèmes. M. Maximal. Il faut qu'on reconstruise ce camp de bûcheron. Pour qu'on puisse recouper un petit peu parce qu'on a plus que 4 bois. On a 61 planches, c'est très bien, mais bon. Ça sert à rien. La boulangerie, elle fonctionne. Les gens y vont. Ça se passe bien ou pas? Guide un bœuf. Quoi? Pourquoi il fait ça le boulanger? On a besoin de la pierre là, de l'argile. Après on fera donc ça. Pont insuffisant pour l'importation. Ça commence. Pourtant j'ai pas eu de miel hein. Zéro miel. J'ai l'impression que j'ai cramé 300 balles pour rien. Zéro miel. Ou zéro pomme, je sais plus qu'est-ce que j'ai choisi. Une famille a rejoint les colons, ok, trop bien. Il doit falloir au moins 5 heures pour te taper. Quand est-ce que tu as envie de tes voisins? Alors déjà, on n'est pas sur une map. Tu vas pouvoir envahir tes voisins, mais... on va le faire, je te dirais. Je sais pas, mon gars. Grain 186, farine 81. C'est ça qui m'intéresse, moi. Est-ce qu'on arrive à sortir du pain? Un peu. Besoin non satisfait. Vous êtes des cons. Tannerie, ok. Malterie, je veux faire ça rapidement aussi. Hutte de boisilleur. On a le bois ici. Mine à ciel ouvert. Let's go. On peut mettre un petit mec quand même. On commence à faire de la poterie. Et on va faire une usine de tuiles. Je pense que ce sera pas loin de celle-ci justement. Un petit entrepôt, en vérité. Je sais pas si ça peut être intéressant de faire ça. On a 22 bois là. J'ai pas récupéré. Merde, c'est bien dommage. Ruine de grenier et moulin ici. Construction terminée de la malterie, on a 5 mois de bouffe. Une personne dans la malterie. Manque des gens. On a ensemencé. Ensemencement, 99%. On va faire des dons ça. On a du bois de chauffage. Ok. On a du miel un peu. Un peu de pain. De la viande. Ils nous disent qu'on a 5 mois de nourriture. Attends. Tu es teinture, non. La malterie, elle est en train de fonctionner aussi. Malt. Voilà, nickel. Donc du coup, si la malterie fonctionne, la bière fonctionne. Dis-moi qu'il y a de la bière. Oh, une bière! Let's go! Taverne. 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 Tavernier. Voilà, t'as le choix. La taverne, c'est malin. Business en parlant, ils se mettent juste avant l'église. Comme ça, t'as un choix à faire. T'es là, merde. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est quoi mon projet? Alors, on a du bois là qui revient un peu. Je relevel up quelques maisons.
Et si on avait fait le... Et non. Et parce qu'on avait pas de... espace disponible en plus. L'étal du marché ici. C'est pas full encore là. Emplacement libre pour une étale. 1. Ok. On remet une personne au grenier. J'ai l'impression que ça va être bien. Oh là là, la bière, l'argile. On est en mode argile maintenant. Pour faire des tuiles. 2 bœufs non affectés. Normalement, ils font les constructions rapidement, etc. Mais... je sens que ça merde un peu quand même. Ici, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est mal passé. Labour 0. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est parce qu'il y a eu de la neige? Il y a eu BDC? Les semences ont été niquées? Faut que je remette des gens? Comment ça se passe? Faut qu'ils enlèvent la neige? C'est rien, moi. Qu'on attend le janvier? Peut-être. On a du miel? On a un peu de miel. On a encore un peu de bois, là. Accès à l'eau, niveau de foie, machin. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils foutent, mes constructeurs? Commander un nouveau cheval. On n'a pas de, déjà de cheval. On commence pas à nous monter la tête. Ok, ils sont en train de faire les améliorations de maison. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Un pain. Les gars, 132 grains, 142 farine. Un pain. On n'est pas bon sur le pain, là. On avait dit qu'on serait bon sur le pain. On est bon sur la bière. 24 bières, on est bon sur la bière. Et on avait dit de l'argile ici pour la petite église de pierre. L'argile, d'ailleurs, hein, va se faire casser la gueule, l'argile. Ok, bon, eh. 20, hein. Vie, hein. Survie, j'ai des doutes par rapport à mon approvisionnement commercial. Peut-être affectation d'une petite bête. Là, on a affecté une bête. On a affecté une bête ici. On a affecté une bête là. On a affecté une bête là. On a affecté une bête là. On n'a pas affecté de bête là. On a 2 bêtes affectées sur les 2 fermes. Peut-être nous faire une nouvelle étable, en vrai. Y'a pas une étable ici possible? Dans le comptoir commercial? 37 bois ici. Ah, on a tout rasé. Avancer. Remettre des bois là. Plein de bûcherons là. Allez, bim, on le refout là-bas. 468 de matériaux d'artisanat, je pense que c'est trop. Bonjour Fury! C'est pas mal, mais j'ai peur que ce soit du scam. J'ai peur que ce soit un jeu, tu vois, de city building de early game. Parce que ça m'a l'air d'avoir assez peu de profondeur au niveau des mécaniques de jeu, il n'y en a pas des nouvelles. C'est très beau, il y a des trucs qui sont vachement cool. Moi j'aime bien me balader là comme ça, bite de chien, je suis dans la ville, je vois mes gars, ils sont en train de construire. C'est vachement sympa, c'est assez fluide et assez simple on va dire quand on a déjà touché à ce genre de jeu pour commencer. Mais j'ai peur en fait qu'il n'y ait pas de suite. Quoi ? J'ai peur en fait que ce soit un bon petit jeu sur 10 heures et que maintenant, là quand je vais réussir à avoir une grande ville, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais voir mon chariot de bûche, mon chariot de nourriture. Et puis il va se passer quoi, véritablement? Je vais voir, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle profondeur au niveau du sim, du city building qui va se débloquer. Mais actuellement, il n'y a pas de révolution. Un Banished, par exemple, il y a 10 ans, faisait quasiment la même chose. Enfin, il y a 10 ans, je pense, Banished, ça doit faire 6-7. Mais pour l'instant, ça fait à peu près la même chose. Donc j'attends de voir le côté militaire, moi je ne l'ai pas encore fait. Et voilà. C'est pensé pour du micromanagement, jouer à la dinette, etc. Ah. Ça ressemble à Banished, exactement, ça ressemble à Banished. Donc si t'as joué à Banished, pour le moment, le côté du city building, c'est le même. Autant jouer à City Skyline, qui offre de bien nombreuses possibilités, même s'il y a des DLC qui coûtent un peu cher. Voilà.
Donc on va remettre des gens aux fermes. Est-ce que c'est ce moment-là? On est en mars. On est en train de labourer. On va remettre 3 mecs. Hein. Les mecs là en jachère, là ça ne sert à rien ça. Mais oui, rien n'est stocké en plus dans les fermes. Parce que si vous stockez, si vous avez une personne en fait dans les fermes, vous allez avoir la possibilité que ces fermiers-là moudent le grain. Parce que les mecs qui sont dans le moulin font de la farine. Mais le grain, c'est les fermiers, apparemment. Histoire un peu compliquée. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on va pouvoir level up le niveau 3 bientôt? On a une petite taverne ici. Hop. On n'arrive pas à faire des sous là. Avec l'importation de miel, eh, on n'arrive pas. D'ailleurs, zéro miel à chaque fois. Un pain. Pourtant, je te jure, hein, 78 grains, 216 de farine. Il nous faudrait une deuxième boulangerie. Peut-être qu'il nous faut une deuxième boulange. Hein. Peut-être. Hein. C'est ça la solution. 40 bois, 187 pierres. Ouais, on est en full exportation de pierres aussi, mais bon. Allez, on va level up ça. 7 sur 8. Un petit 8 sur 8. Ah oui. Pourtant, il y a un bœuf ici. Il y a un bœuf. Le côté militaire, je suis déçu par micro. Je passe mon tour pour le moment. Oui, je pense que pour 30 euros, c'est un peu trop pour le moment. Voilà, je le dis. Moi, j'ai vraiment peur que, en plus de ce que je comprends, les gens m'ont dit que c'était un seul mec qui a développé ça en 7 ans. Et bah si en 7 ans, il a fait ça, t'imagines bien qu'en 2 mois, il va pas y avoir tout un jeu complet derrière, tu vois. C'est ça que je me dis. C'est que le mec, enfin, c'est fou. C'est pas fini comme jeu, j'ai l'impression. On va voir, hein. Peut-être que je me trompe. Moi, je m'amuse bien pour le early game, mais jouer à Anno. Anno, ils ont fini le jeu, ils ont même été trop loin. Non, ils ont fait trop. On fait trop, c'était trop Anno. Au bout de 40 heures de jeu, t'es là, bah non. Eh non. Je peux pas aller coloniser un autre territoire, en même temps de faire mon sim, donc de faire mon city building dans ma propre île de début, en même temps d'aller agresser les pirates. Tout ça en multijoueur compétitif, tu vois. Contre des vrais gens. Ah non, c'est... Ah non, ils ont fait trop. C'est pas mal comme jeu, mais ils ont fait trop. Il va manquer au moins 60-70% du gameplay. Ouais. C'est pas du tout fini, c'est l'early access. Mais c'est ça qui est le problème. Mec, c'est de l'early access, ça fait 7 ans qu'il bosse dessus tout seul. Et tu me dis, il y a 30% du jeu. Une base Y de 3 me fait sentir que c'est peut-être bite de chien. À voir ce que ça va donner Frostpunk 2 aussi. Oui, bien sûr. Est-ce que du coup, avec cet early access, il va recruter des gars pour faire un studio de jeux vidéo? Ah, dans 20 ans. Bah ouais, c'est ça. Donc ça sent pas bon ce que tu me dis, Vulvix. Surtout que je pense que tu voulais défendre le jeu. Epic Games vont acheter ça pour 2 millions. Epic Games, hein. Il a déjà engagé des gens, à ce que j'ai vu. Ok. L'argent qui vient de se faire, dans 3 mois, ils sont 250 dans le studio. Ah ouais? Ou alors, il prend l'argent et il se casse, non? C'est plus simple. C'est moins prise de tête, et il y a beaucoup moins de risques, au final. Non, c'est vrai? Parce que pourquoi? Non mais, attends! Non! Businessment parlant, monétairement parlant! Attends, je ne dis pas... Hein? On réfléchit, on analyse. Ah, je me suis coincé dans mon pull. Avec un poil. Ouais, c'est quoi le plus rentable? C'est par exemple, s'il gagne, on va dire 1 million. Dire 1 million, c'est un chiffre simple. C'est de prendre les 1 million et aller aux Bahamas, ou c'est avec ces 1 million, réinvestir 75%, 80% de ses fonds donc personnels pour essayer de finir le jeu, d'améliorer le jeu. Pour faire quoi au final? Pour finir le jeu? Donc du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va pas regagner d'argent derrière, donc il va devoir trouver un système économique pour pouvoir regagner de l'argent derrière. Parce qu'il va se dire, bah non, j'ai gagné tant de sous, j'ai réinvesti, il faut que je regagne plus d'argent. Ah, le mec, il va pas gagner 1 million et réinvestir 1 million et vous dire, ah, vous avez vu, ah, c'était mon jeu. Pour la légende, pour la gloire.
Oui, bien sûr. Oui. Très bien, très bien. Il aime juste son taf, sinon mais bien sûr, oui. Oui. Écoute les petites flûtes. Si c'est un passionné, il y a moyen. Mais bien sûr, un passionné. Le développement est sa passion. Eh, c'était tellement sa passion, il s'est dit, allez, early access. Ouais, c'est parti. Mais fait 30 balles. Ça, ça vaut 30 balles. On verra. Moi, j'ai une clé. J'ai été chercher dans mes mails, j'ai une clé. Donc, bon, bah moi, ça va coûter moins cher. Je pense à vous. Je pense à vous. Moi, je pense à ce jeu parce que je pense que ce jeu, là, de plus en plus, j'ai l'impression que c'est un jeu qui va finir dans ta bibliothèque de Steam en mode... Attends, ça fait combien de temps que j'ai pas touché à ça? Parce que Banished, j'ai dû y jouer une quarantaine d'heures. 26 avril 2017. Si vous voulez, 25 heures. On peut retourner dans Banished. Et on voit, c'est à peu près le même jeu, là. Oh, c'est quasiment la même chose. Donc bon. Moi, je vais pas défendre ce jeu, déjà. C'est juste, c'est sympa, c'est joli. Je pensais que c'était gratuit, moi, comme jeu. Ouais, je pensais que c'était un free-to-play. Je pensais que c'était un free-to-play. Sinon, il est sur le Game Pass. Ah, pas mal. Ah, moi, j'ai joué 200 heures à Banished. Oui. Allez. J'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu un autre jeu qui est venu en même temps qui m'a fauché comme les blés. C'est pas possible. Bon, continue un peu. Continue un peu et puis après on va aller se faire un petit sif quand même. Et je voudrais bien finir, mais je voudrais bien être niveau 3 là quand même. Qu'est-ce qu'il me manque? Il manque juste l'église. En pierre. En pierre BDC. Il me faut le four à tuer là. Il me faut le four à tuer parce que j'ai de l'argile. C'est quoi? C'est un petit entrepôt. Le garde-manger est plein. C'est pas un problème. C'est un problème. Grenier spacieux, let's go. C'est pas un problème. On a des baies, on a de la teinture encore. Hein, on a que ça. Fil, toile, laine. On n'a pas de bergerie. Il nous faut des boutons. C'est le dernier truc qui nous manque. Il nous faut du moutal pour faire quoi? Pour leur dire du lin. Alors, atelier de tissage, oui, mais c'est pas ça qu'on veut. Il est où le mec? Le mouton, le mec. Le mec mouton. Alors, bergerie, je la vois pas, merde. Extraction, c'est pas extraction. Commerce, c'est pas. C'est commerce? C'est pas commerce. Administration non plus. Résidentiel. Bergerie. Permet d'obtenir de la laine en tondant des moutons. Oh non. Oh. Et je crois qu'on a des pâturages de base. Donc on va rien faire, on va pas en mettre autour parce que c'est ce que j'avais fait la dernière fois et ça m'avait bien niqué. Et par contre, je voudrais récupérer du mouton là. Marchandise. Ah non, c'est pas ça. Il me faut donc un élément foire au bétail. Une foire au bétail. Foire au bétail au milieu du... Au milieu de la place, non? Non, à côté du truc, là. Ok. À côté du comptoir commercial, 254 pierres. Oui, parce qu'on en vend. Construction terminée, ici. Ok. Let's go. Mine à ciel ouvert. On va faire, donc, un petit peu de tuiles. Est-ce qu'il y a encore des constructions à droite à gauche? Ouais, on a le camp de bûcheron ici. Ici, on va croître. Est-ce que j'ai encore beaucoup de nourriture? J'ai 9 mois de bouffe. Ça m'a l'air d'être assez. 9 mois de bouffe. Ça nous fait tomber en décembre en BDC quand même. Hein. Après, j'ai 9 mois de bouffe, mais j'ai 261 kilos, tonnes de farine. Normalement, ça devrait aller. Chaussures, j'ai des chaussures, j'ai de la bière. Nickel. Les gens sont contents, plus ou moins. Il manque plus que ça, là. 10 tuiles. On est en train de les faire, les tuiles, là. Tuiles, 7. Pièces en bois, blocs.
Plus de stockage disponible dans la boulangerie. Quoi ? Le garde-manger est plein, boulangerie. Il me faut une deuxième boulangerie ? Non, c'est parce que j'ai plus le grenier là. Tout à l'heure, je pense. Les stocks exposés prennent l'eau ? Là ? Qu'est-ce qu'il y a comme, comme stock exposé ? Y'a rien du tout ! On peut acheter du pain dehors quand même. Pain 49. Garde-manger est plein, garde-manger est plein. Oui, bah une seconde. Ça se joue ça ou pas ? Le dev a été honnête, il a filé des clés au streamer et fait un message à l'attention des futurs. Eh, le dev a été honnête, il a donné des clés de son jeu à toutes les à tous les influenceurs de la des jeux vidéo. Il a été honnête. Hein. Oui bah c'est oui bah il est, c'est normal. Il a donné gratuitement aux gens qui peuvent en faire la publicité son produit. Son produit qui bon bah ça ne devait pas coûter d'argent de nous envoyer un mail. Ah non mais il était malin. On leur conseille de regarder l'état du jeu pendant 2 semaines avant de l'acheter. Ouais, 2 semaines. Non, mais c'est bien beau, mais c'est de la flûte de dire ce genre de choses alors qu'on voit dans quelle société on vit, tu sais, de consommation instantanée, où on a besoin, tu vois, de consommer, de binge ou acheter, tu vois, que ce soit sur le jeu vidéo, sur n'importe quoi, sur une série ou ce genre de choses. Ah, Bannerlord, dans 3 jours, c'est finito. Mais bien sûr, le Banish te sapant 40k spectateurs aujourd'hui. Là, il y en a plus que 15k, je crois, Bannerlord. Mais j'ai l'impression que Vulvix fait partie de la famille du développeur. Ça doit être un cousin. Ou un truc comme ça. Non, si vous voulez un bon jeu en solde en ce moment, et en plus en promotion avec Gamey Vovo, avec Gaston, c'est quoi ? Bah c'est Humankind. Alors c'est Civilization. Oui, c'est Civilization, 18€. Mais Humankind est aujourd'hui à 3€. Avec toutes les versions. Hop, 2,62€. Donc il y a tous les DLC avec la Definitive Edition. C'est un pack qui coûte 100€ sur Steam. Voilà, je le dis comme ça. Point d'exclamation Game Evo dans le chat. Vous cliquez comme ça, il y a mon petit lien partenaire. Vous mettez le code de réduction basket-smart. Ah ! Ah non, c'est bon. Non, non, parce que j'avais vu qu'il y avait un petit truc danger là. Donc basket-smart ou alors code de réduction lège. Et là, vous vous faites plaisir. Pour 3 balles, il faut acheter quoi. Enfin, si vous l'avez pas joué, si vous avez bien les 4X. Ou les city building, c'est bon quoi. J'ai pris un billet, Vulvix. Y'a pas City Skyline 2 en réduc aussi il y était y a pas très longtemps, mais c'était pas une grosse réduc, c'était genre 20%. Attends, je vais regarder. Alors je suis en QWERTY là, donc ça me fait chier. Ça me fait chier. Cities Skyline. Pré-order EA d'Argentina Xbox 150. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. FR, Global. Global Steam. 33€, tu vois, c'est pas intéressant. Je pense que les DLC sont intéressants, mais peut-être l'offre de base est pas intéressante. Parce que je vois des gens qui sont en train d'acheter de temps en temps pour certains jeux, ils achètent surtout les DLC. Ils doivent être moins chers que sur Steam. Putain. Alors, 69 balles. On voulait importer quoi déjà ? Je sais qu'on voulait importer un autre truc, mais je me rappelle plus quoi. Donc on exporte. État général du marché, approvisionnement très abondant, les prix sont extrêmement de moi, pas d'exportation. Ouais, mon frérot. On pourrait exporter de la planche aussi, hein. Ah, j'ai plus de sous. On pourrait exporter de la planche. On importe du miel, mais bon, on va arrêter, hein, on va refaire des sous. On va refaire des sous, vous allez voir. Ah 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 ah! Église en pierre, bam! Upgrading! Il y a plus qu'une personne d'ailleurs qui est en train de travailler sur les chantiers. Il faudrait de nouvelles habitations. Il faut des nouvelles habitations.
Est-ce qu'il y a des emplacements qui sont pas habités? Non. Il nous faut des nouveaux mecs. On est 128. C'est ok. On peut faire plus. Dans les maisons autour du marché là. Ça me plaît bien comme ça. Combien de baraques là? Deux baraques? Trois baraques, mais non, deux baraques, mais deux baraques bien. On se fait plaisir. 8 mois de nourriture. Comment ça se passe? La bouffe. 240 becs, 84 pains. 298 de farine. J'ai l'impression qu'on a réglé le souci. Le solo de flûte, bordel. Non mais t'as vu comment ça s'est... ça m'a agressé. La bière. Bière. Comment ça, y a pas de bière? J'ai une brasserie ici. Approvisionnement de la taverne. J'ai du malt. Non? J'ai plus de malt. C'est ça qu'il nous faut. On va importer du malt, frère. Ouais, parce qu'il n'y a plus que du malt à avoir là. Et on peut être level 3. Et peut-être que level 3, il se passe un truc genre, vous avez gagné. Ben de chien. Ma... de l'orge. Importation. Hop. Il y a toujours quelqu'un qui est à la malterie, ok. On est en juillet actuellement. Il y a 8 personnes à la ferme. Hein. Non, je vais pas déconner avec ça. Et je suis en train de faire de l'orge en plus. Je peux te dire, on va être beurré pendant 2 ans les gars. 83 balles. Mais on importe. Maintenant. Oh. Prochaine récolte, 105 en 39 jours. 40 chaussures. 40 chaussures. Et on a besoin de quoi? On a des chaussures. On n'a pas de bouclier, machin, on s'en fout, artillerie d'archerie, on s'en fout. On a le tailleur, mais le tailleur, il nous manque les biquettes. C'est vrai qu'il nous manque les biquettes. Église en pierre. Ouais, 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 attends, j'enlève 2-3 mecs ici, parce que j'avais aussi mon comptoir, là. C'était important, ça, pour moi. J'ai assez de bois, j'ai pas assez de bois. La pierre, par contre, mon frère, ouais, reviens au village. Ça va, maintenant. Ça est sorti pour ça. Les tuiles, c'est pareil, les gars. Je pense que j'en aurais plus besoin. Je te finis le... Oh, même pas. Hop. Voilà. Et donc du coup, tailleur on avait fait, on avait dit. Une autre boulange? Ou de la poule? Juste de la poule. Vas-y ma poule. Des œufs, putain. On a des œufs, on a 16 œufs. On a des légumes, on a du pain, on a des baies. On commence à bien bouffer ici, je peux vous dire. Et tout le monde a des chaussures. Oh, les bûches. Oh, la bûche. Hutte de boisilleur. Syrie. Hutte de boisilleur. C'est fini la zone de travail. Okay. Après de BN, hein. Ah, c'est sympa comme début. Hein. C'est joli, son truc, etc. Mais moi, j'avais suivi depuis longtemps l'avancée de ce jeu. En fait, je m'en suis rappelé il y a pas longtemps, mais ce jeu-là, on avait vu quelques footage il y a genre 2-3 ans, si je me dis pas de bêtises. Construction terminée au niveau des baraques. Ok. On est en août, va falloir remettre des mecs dans les fermes pour ensemencer. Je sais pas comment on va faire. Hein. J'ai l'impression qu'on est très très short au niveau de la population. Une foire au bétail ici, place en étable. 2. Commerce. On veut du moutal. Importation de moutal. Écoute, je t'en prends 3 déjà. Et on verra.
fais la guerre maintenant. Non. Bisous. On est d'accord qu'un niveau d'emploi en plus par rapport à ce qu'on avait déjà vu, c'est léger. Voilà. D'accord. Moi je pense que pour les gens, le meilleur truc c'est revenez dans un an. Hein. Il y a un autre jeu où je m'étais fait un peu avoir comme ça, mais de toute façon on se fait avoir assez régulièrement maintenant pour ce genre de game. Attendez, je réponds à mon ami fou. Qui... J'étais sûr qu'il allait me dire ça. J'étais certain qu'il allait me dire ça. Par contre, je lag de dingue. Vous voyez lag ou pas? C'est parce que je suis sur le jeu en même temps. J'ai un autre truc d'ouvert? Non. C'est la mode et ça me gonfle. Bah ouais. C'était quoi? C'était Big Ambition. Putain, ils avaient fait des bons petits trucs, etc. Ouais, Big Ambition, c'était pas mal comme jeu. Hop, on a joué combien de temps à ça? On a dû jouer une trentaine d'heures. C'est un jeu où vous allez gérer l'économie de votre ville via l'acquisition de certains business de votre ville. Vous allez essayer de faire en sorte que ce soit votre ville. J'ai joué 50 heures à ce jeu. Il y avait plein de petites mécaniques qui étaient sympas. Il y avait plein d'éléments où on aurait pu avoir un jeu vachement cool. Même un truc multijoueur où tu allais contrôler justement des quartiers au début, où tu allais essayer de te fight pour la ville au final. Et ils mettent trop de temps. Ils mettent trop de temps à faire des trucs. C'est que des patchs mineurs à chaque fois. Pff. Moi, ça m'a enlevé ma hype que j'avais pour le jeu. Et bon, bah voilà, j'ai l'impression que c'est finito. Je suis sûr que si je regarde sur Steam Chart, il y a 500 joueurs sur le jeu, alors que il y a eu une semaine sur Big Ambition où il y a eu plus de 10 000 joueurs, tu vois, qui ont joué pendant la semaine. Où il y avait un vrai truc à faire. Et pas... Ça a pas réussi. C'est dommage, quoi. Et en alpha, quoi. Là, je comprends, hein. Je comprends aussi, parce que quand tu développes un jeu et que vous êtes 1000 dans le studio... Ouais, si t'as pas de trésorerie, et généralement t'as pas de trésorerie pendant 2 ans au niveau des salaires, bah... T'es obligé de trouver des solutions. Compréhensible. Poulailler. Je sais pas faire. Je sais pas faire la poule. Nouvelle famille qui s'installe au village. Ça c'est bien. On construit. On ne réensemence derrière. Alors attends, parce que toi ça va être parti soon là. Faut que je te remette un petit mec à chaque fois. Peut-être. J'ai l'impression que les mecs qui foutent rien dans les fermes annexes vont dans les autres fermes. Regardez, il n'y a pas que 8 mecs là. Ah non, en plus, il y a 8 familles. C'est bien. Bon, ils vont faire au fur et à mesure les autres fermes. 97%. On est en train de faire l'église level 2. Ici, on peut te faire un petit poulailler en plus. Que je fasse gaffe ici quand même, hein, aux bûches. Est-ce qu'on peut se mettre un mec ici, non? Ah, l'entrepôt, à mon avis, il y a de la bûche ici. Bûche, un peu d'orge. Nouvelle compagnie de mercenaires, 92 d'orge. Du malt. Bah, mec, normalement... C'est parti. Et là, on est parti lin. Un jachère, un lin, et un d'orge. De blé. Ce sera pour après. J'espère que ça ira. 2 moutons. Ils sont là mes moutons. Nickel. Je vais en prendre 5. Importation de 5 moutales. Le marché ici. C'est bon. Est-ce que l'autre est en train de se faire? Oui. Deuxième place du marché là. Eh? J'ai un problème avec les combustibles, Imo. Suite de sylviculture. Suite de boisilleurs. Là, on a l'atelier de teinture, toujours. Ça sert pas à grand-chose. On a les bœufs qui sont là. En train de labour. C'est bien, les gars. Champ, lin. En train d'ensemencer. Très bien. Ok, ça joue. Ça marche. Ça marche. Du coup, tu te retrouves avec des devs moyens qui prennent du temps pour faire des choses simples. Bon. Mmh. 99%. Les gens sont contents.
Les gens viennent dans mon petit chez moi, dans mon petit, ma petite bourgade. À le de bœuf. Je te fais un truc de dingue là. Ah mais j'ai que 8 bois. Ah il m'en faut 12 là. Ah je vais remplir juste là déjà. Coût de construction 6. Ah bon? J'ai pas 6 bois là. Combustible 2. C'est chaud. Moins 1 planche. Ah bon? Attends, il me faut vraiment du bois. C'est là mon bois. Bois très important là. On avait refait quelques maisons. Les gens vont arriver, c'est pas un souci ça. Le truc en jachère là, Osef. Une foire au bétail, ok. Un deuxième camp de bûcheron là. Rapido. Récolte. Hop. Camp de bûcheron. Pas assez de ressources. Ah bon? Même. Allez, oui, oui, c'est sûr. Et on va te mettre un. Un bœuf. On t'y met un bœuf. J'ai du mouton ici. Alors, ils ont tous leurs besoins. Approvisionnement de la taverne. Et non, effectivement, la taverne n'approvisionne pas bien. Malt, 11. Bière. Ah si, là, les gars... normalement, on est bon, là. La malterie qui arrive pas à suivre. Attention. Belle famille qui s'est installée. On va pouvoir refoutre du bois. Là, le boisilleur, là. 255 de bûches. On va peut-être redéménager. On se refoutre à un autre endroit de boisillement. Allez, bêmes. On a combien de temps, là? 7 mois, 3 mois. Bah... stock endommagé par les intempéries, provisions. C'était du bois ça. Il y avait un peu de bois, non ça va. Il nous récup. Il nous récup en même temps. Alors le jeu. Bah le jeu, pas mal mais... faut attendre. Acheter Humankind à 3€ sur Gamivo. C'est un meilleur investissement. C'est un meilleur investissement pour le moment. Pour le moment, c'est tout. Le grain là. On le moule le grain? Bah ouais, on en a fait de la farine là, ça nous sert plus à rien le gars là. Ah le meunier là, il dort. Vas-y, camp de bûcheron, on est reparti. Hutte de boisilleur. On n'a pas les level 3 encore. Pourquoi il n'y a pas les level 3? On a des sous. Allez, petit peu de légumes. Étendre les espaces de vie. Légumes. On up, on avait pas de bois, c'est pas grave. On up. On peut up ici? Non. Nouvelle compagnie de mercenaires qui sont là. 6,42. Oh, merci l'impas content. Même à 40€, si plus avant, ça vaut le coup. Ouais, même à 40€, mais... Civ, c'est pas 40€. Civ, c'est... pas Stream Elements, non, je me suis trompé de clic. Hop. Si, c'est 18,36€. Tout le jeu. Dire. Fais chier. Jouer à Civ. Hein. Ah, c'est plus complet. Hein. C'est mieux, c'est un meilleur jeu. Hein. Plein de mécaniques que vous verrez pas dans les autres jeux. Ou plein de trucs. Plein de trucs. De fou. Personnage illustre. Vous connaissez ça? Non, ça. Ah nous on a ça dans Civ. Oh Léonard de Vinci qui arrive. Ouais, bonjour. Je fais une peinture. Pourquoi pas. Construction terminée. Bon, pourquoi y a pas le level 3 là? Y a tout qui est bon là. Ils se foutent de ma gueule.
Ah, il nous manque des planches maintenant. Ok. C'est reparti pour la planche. La bête, la planche. Et j'enlève une bête quelque part. J'enlève une bête au camp de bûcheron. Ouais, on a refait du bois là en vrai. Siri, let's go. On a 50 hébergements. On est en train de faire les dernières améliorations ici. Il y a une jachère. En jachère, mais je sais pas si on dit une jachère. Est-ce que dans le milieu ça se dit? Pas sûr. 36 œufs, 183 pains. On a 183 pains dans la petite boulange là, je veux te dire. 16 légumes, 109 baies, 2 viandes. 212 bûches, 22 orges. Ah, normalement, on devrait avoir de la bière, 25 de bière. On n'a pas encore vêtements et de manteaux. Parce qu'il nous faut ça. Il faut qu'on tonde les petits gros là, non? Guide les moutons, va boire un verre. Et à quel moment on tond les moutons là? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas? Peau, cuir, d'accord? Atelier de tissage, la laine. Atelier de tissage, atelier de teinture. Atelier de tissage, je n'ai pas l'atelier de tissage. On va mettre la tuyau de tissage juste à côté. L'église en construction. C'est soon, c'est soon. Ça arrive. On a 4 mecs qui foutent rien, qui sont là pour construire, pour faire les améliorations. Grenier spacieux. Je vais t'en foutre un. Ça sert pas à grand chose lui. Ah, j'ai mis des mecs aux étapes, je sais pas si c'est bon. Commander un nouveau bœuf. On va commander un cheval, tiens. Je sais pas si c'était bien. En tout cas, général plein. T'inquiète. Réserve de construction. Voilà, une petite dizaine. On est bien comme ça. Et on avait quoi à faire? Le level 3, voilà. Bam. Améliorer en niveau 3. Alors améliorer en niveau 3, nécessaire pour augmenter le niveau de colonie, permettant d'héberger une famille supplémentaire et deux familles pour les terrains disposant d'une extension d'hébergement. Let's go. Alors ça va nous permettre quoi? Une idée. On a récupéré de la laine. On fait pas de fil encore, pas de cire. Stockage général plein. Ok, plus 12, plus 14, plus 13. Les gens sont heureux. On n'a pas encore l'église en pierre pourtant. Et pourtant on a réussi à level up. C'est bizarre, non? Niveau de la foi, au moins une petite église en pierre. Elle est pas finie, on a juste cliqué dessus et ça marchait quand même. Sympa. 23 planches. Là les besoins, c'est quels besoins qui n'ont plus été comblés? Besoins non satisfaits. Ah merde! De quoi? Tout est rempli. C'est l'église, hein, je pense. Je pense que c'est l'église, moi. Ah, et là, ça remarche, là. Bizarre, votre histoire. Les coups de la planche, aussi. Hein. Bon. 6 mois, 5 mois. Ça va. Bande bûcheron. Non, non, mais ça, c'est ok. C'est ok. Coupe bien du bois. Coupez bien du bois, les gars. Suite de civil culture. Construction terminée pour l'atelier de tissage. Avancer. On va en faire juste un. Boulangerie level up. Oh là là. Boulangerie level up. La dingue. Donc on a 10 gars. Non, 10 bétail. 10 bétaux. Je remets un bœuf. Je remets un bœuf et j'ai que 6 places en étable. Faudrait peut-être que je mette une nouvelle place ici. Est-ce que je peux? J'ai l'impression. Importation de 5 moutons. Bon, écoute. On va te faire une mule aussi, mais... Que ça servira à quelque chose, je sais pas. On est en mars. C'est en train de croître. Au niveau des différents champs.
Peut-être que je pourrais te mettre un autre chant. Mais je pense que je suis bien là en vrai. J'ai l'impression de lag un petit peu. On se remet une maison. 81%, mais j'ai envie de voir en fait qu'est-ce que ça fait. Allez, je suis en pleine attente comme vous. 8-4. Ok. Déjà été comptabilisé. Boulangerie en progression aussi. Petit tailleur. Ah, je voulais voir si je pouvais spécialiser dans autre chose. 100% de mec. 100% content. Tout le monde est heureux. Y a pas d'impôts. Alcoolisme. Aïe 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 aïe. Ça c'était sûr. Ça allait arriver. Ah, je peux rien y faire. C'est traditionnel. Oh, 56 sur, 5, sur 64. On a réussi à replanter de la baie, à retrouver de la baie. Oh, c'est top. Donc on a replanté. Et donc du coup, bah... nos baies sont revenues au fur et à mesure. Longtemps. Nous aussi, on a du bois de chauffage. On va bien. On a besoin de tuer, là. Ah, de la poule ici. Je veux du bois. Un peu étonnant mais ok. Le stockage. Grenier spacieux. Nouvelle famille qui s'est installée dans le village. Boulangerie. Waouh. Oh, d'accord. Oh, là c'est le maire en fait. Attendez. C'est la boulange. C'est la boulange. Étable du marché qui est pas loin. Charrette. Bonjour. Bonjour monsieur. Pas mal. C'est joli. Tu rentres chez les gars, etc. Ils ont fait des petits arcs. Hop. Des petites arches. Ça c'est... ça c'est pourquoi ça? C'est bizarre ça. Une cabane? Une petite cabane pour les enfants? Bon alors du coup, niveau de colonie actuelle, grand village, sensif 3, ah, petite ville, d'accord, donc il me faut encore un level up. On va en faire un peu partout, et si j'ai bien compris, je pense qu'on va gagner après. Niveau de colonie amélioré, le double. Politique, fini, développement. On a un petit point. Alors, est-ce que ça serait pas la fertilisation qui serait bien, là? Culture de sec. Débloque la culture de sec dans, pour les champs. Irrigation réduit considérablement le dégât causé par les sécheresses. Bah, je pense qu'il faut faire la fertilisation, non? En développement. Bloqué pendant l'accès anticipé en cours de développement. Même l'arbre, il est pas fini, quoi. Enfin, il est pas pensé, il est pas réfléchi. Bien, hein. 7 ans pour faire un arbre. On va faire la fertilisation. Et donc du coup... on aurait pu faire quoi là? On a la possibilité peut-être en personne d'en avancer, de faire quelque chose, bétail. Jacob, attends. Attends pas comme ça quand même. Les gens sont pas contents.
Les gens sont pas contents. Bon ça. 3 sur 10. Niveau de colonie suivant, ville moyenne. Il faut faire une grande ville, c'est ça. Ok. On est de plus en plus nombreux. Et là, c'est combien les besoins? Est-ce que j'ai un truc marqué justement, genre au niveau de leurs besoins à eux? Non, mais je vais level up les gars, moi. Besoins non satisfaits. Est-ce qu'on a encore de la tuile, etc. Toujours de la bière. Ah, on a de la bière. On a des tuiles aussi. Et teinture, tiens, je vais remettre un gars. En teinture 142, non, mais ça va aller. C'est pas important en fait. 4 sur 10. Tiens. Mais. Il me bait. Ils me disent qu'on a la possibilité, après on a plus la possibilité. Je vais te mettre un mec là. Et il manque de l'orge. Apparemment. Malt 0. Bière 4. Prochaine récolte d'orge, de seigle. Eh, ils font chier, hein, les pocherons. Ils font chier, les gars. Nouvelle famille qui s'installe dans le village. Il nous manque des planches. Ah bon? Effectivement, il nous manque des planches. La Syrie elle tourne à balle. La Syrie elle tourne à balle. Ah, je voudrais bien finir la première, le premier tuto quoi. On y est depuis un moment, on avait déjà fait la première game hier, c'est pas si simple, si rapide. Moi j'aurais pas fini le jeu en 10 heures en tout cas. Voilà. Atelier de tissage, fil, laine, machin, bière, moins 3. Ah bon? On est à 11 mois de nourriture, 5 mois de combustible. Ça fait plaisir à entendre, non? Construction de terminée, table de nourriture. 10 planches. Il nous manque de la bière. On est en juillet. Croissance 100%. Ah, va falloir remettre les mecs, hein. 132 bois, 344 de pain. Brasserie améliorée au niveau 3. Alors. Toujours les 8 planches qu'il me faut. J'ai eu peur, j'ai eu l'impression qu'il y avait un mec qui était en train de rentrer. Mais non, c'est chiant. Oh, ne rentrez pas, monsieur. Alors, route commerciale, est-ce que je mettrai pas deux mecs? Déjà une petite bête en plus. Ah, mais il y avait le cheval. Petit cheval ici. Je pense que c'était pas mal. On est en juillet. Bientôt, on va mettre tous les fermiers. 512. Non mais moi je fais du pain moi. Manque de la tuile. De la planche. Manque de... Donc, chaque fois un truc différent. Je pense qu'il nous manque un peu d'habitation. D'autres niveau 1, tu vois, à mettre. Bon, c'est top ça. 106, niveau 2, niveau 3. Let's go, on upgrade. On a encore 3 à faire. Pour être petite ville. Besoin non satisfait. Niquez-vous.
Bah, normalement, 93%, là, si on met des maisons, les gens vont dire. Comme ça, là. 4 maisons. Un peu bizarre comment c'est positionné, mais apparemment, ça marche. 262 balles. Alors, avec 262 balles, on peut faire un camp de colons. Un camp à installer sur un territoire inoccupé afin de le coloniser. Mais j'ai pas assez d'influence pour prendre, bah, par exemple, revendiqué par influence, on voit la 1000. Revendiqué par faveur royale. Vite de chien. C'est pas que je sais. Donc, bon, bah, on attend. On va bientôt crop tout ça. Cette habitation. Deux noms affectés. Bétail. Avancé. Une bête. On a mis la bête. Quand des chasseurs, on les laisse. Oh, c'est bien ça, c'est poussin hein, quand même, les chasseurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre problème? C'est qu'il manque de bois. Manque un peu de tout là en ce moment, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, un autre mec là dans le grenier. Ce serait pas forcément mal à mon avis. On est en septembre. Il faut crop. On a fait du lin en plus. On peut se mettre une petite vitesse en moins. On peut se mettre une petite vitesse en moins. Je vous retrouve. Salut, quel raccourci utilises-tu pour les surbrillances? Tab! Y a pas de nouveau bâtiment dispo? Vendre un peu de pain. Vendre un peu de pain? Ah, pas besoin de vendre du pain, moi. Je suis riche, comme Crésus. Comme Jésus. Comme Jesus. Ah, Jesus? Construction niveau 2, ça c'est fait. C'est pas moche, hein. C'est pas moche, et mon village est beau. Donc là, vous voyez, c'est limite de l'art. 66 de lin. Plus beaucoup de farine, hein. Non, on a du pain. Ah, on a 400 miches. Et il manque de la tuile maintenant aussi. La tuile c'était là-bas. Gisement d'argile. Alors c'est de l'argile ou de la tuile? Non, l'argile c'est bon. Notre petit four à tuile ici. Le cas général. Entrepôt spacieux. 17 planches. On pourrait bien les conserver mes petites planches. Regardez, il y a les bœufs donc qui vont de ferme en ferme pour aller aider les autres fermes, j'ai l'impression. Toutes les familles y vont en fait. C'est plutôt bien fait ça. C'est plutôt bien ça. J'ai eu peur de devoir faire justement des allers-retours avec les différentes fermes, etc. Mais au final, non. Très content. Très content. Il y a du blé derrière, il y a du blé derrière, il y aura de la jachère, il y a du blé derrière. Je peux te dire qu'on a une année. On a une année. On va faire du pain. On ne sait faire que ça. On ne sait faire que du pain. Donc. Même 7 ans tout seul. Pour pondre ça, faut le faire. Non mais d'accord, mais moi je suis super. Présentez ça à une convention de développeurs si vous voulez. Moi je suis pas développeur, moi je suis joueur de jeux vidéo. C'est un divertissement pour moi. Pas je me branle sur le fait que le mec soit fort. M'en fous. Ah parce que vous êtes beaucoup de développeurs, je sais, c'est normal. La commu. C'est ça la vérité. La TEF est développée dans les fermes. La tech est développée dans les fermes? Ah bon? Y a pas de bagarre en jeu, si. Mais bon. Pas encore. On commence à comprendre les mécaniques de Snowball. C'est comme quand le chaton va dans ses salons, tu vois, de lumière, etc. Moi, je suis là. C'est joli! Mais cher l'ampoule, là, ou pas? Pour mon utilisation à moi. Ah oui, ah oui.
Laine, fil, malt, ça, ok, lin, on a récolté, tout va bien. Bûche, bite de chien, pain. Ah, il y en a une deuxième bientôt, j'imagine. Une planche et on a besoin d'une tuile. Une planche, une tuile. C'est simple. Ils sont en train de re-ensemencer. Là aussi. Personne n'est en jachère. Hein. Personne n'est en jachère. J'ai un peu peur qu'on n'ait pas le temps de labourer, etc. Est-ce que c'est le cas? Là, ils sont en train de le faire. Là, on l'a pas fait. Et il faut du gens. Hein. Il faut plus de gens que ça. Hein. 203 bois. On a de la bûche. On a 420 de bûche. Le temps 2, les gars. Le temps 2. Le camp du bûcheron ici. Hein. Alors. Non, mais c'est tout le bois là. Il me faut un bétail. Hein. On a tout cassé là. Je me refous au milieu de la forêt, moi. Ok. Suite de boisir en construction. Ouais. Est-ce que j'ai un autre truc à faire là, véritablement? La malterie. C'est vrai qu'ils avaient envie de boire de la bière, les gars. On va les laisser sur ça pour le moment. Level 3. Allons-y. Et je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Donc on va avoir encore une amélioration. Ou sans les gens de Marijan. T'inquiète pas. C'est une nomenclature différente pour qu'on se fasse choper. Il y a la douane pas loin. Il y a la douane royale. Oyez, oyez. Barrez-vous. Les douaniers. Oui, bah ils sont un peu comme ça, là, chez nous. Bah ils sont, voilà, ôté élevé par maman. Non, j'ai pas fait d'unité déjà. La marée chaussée. Alors c'est le fossoyeur, en fait, le curton du village. Je viens de me rendre compte. Qu'est-ce que vous avez comme problème, vous? Pourquoi vous me dites le pain, là? Pas votre problème. Sans action de votre part, votre popularité baissera. Au moins un type de nourriture. Bah, le marché, mec. Moi, je te fais un double marché si tu veux ici, mais je pense que ça sera trop. Commerce. Industrie, c'était où ça déjà? Stockage, non? Et là. Un bon équilibre entre l'offre et la demande. Ouais, d'accord. Tu veux que je t'en foute un peu là? Peut-être, hein. Moi je t'en mets là hein, si tu veux. J'en ai mis ici aussi. Étal de bûche abandonné. Oh, ça n'a pas marché ici. Il a voulu s'implanter le mec, ça a été abandonné. Attends parce qu'on rigole, on rigole, mais là. Y'a des mecs à mettre moi. Ça a l'air d'aller, on est en croissance déjà. Les bœufs, ça a l'air d'être le truc à faire de la game. 11 mois de nourriture. 11 mois de nourriture, on est reparti sur la rotation de blé. Donc pour le pain. La viande est bon, hein. 23 familles. 23 mecs, famille de niveau 3, ok. C'est pas mal, notre ville. Il y a plus de familles de niveau 3 que de familles de niveau 2 que de familles de niveau 1. C'est correct. Contente ça. La Syrie, est-ce qu'on n'oserait ferait pas un petit peu maintenant? Peut-être que ramener une personne. Là, les planches.
À part faire des trucs niveau 3, je vais pas en avoir une grande utilité. Donc on va enlever ça. On va enlever la bête. Bête enlevée. Et on va mettre une bête. Là on a une bête. Là on a une bête. Là on a une bête. Allez bim. Les 4 bœufs dans les 4 fermes. Je pense pas que ce soit super, super rentable. Parce que je pense pas que mes chances soient extrêmement grands. Et j'ai été regarder un petit peu sur le net. Une famille donc de 8 personnes. Une famille gère 0,6 Morgan. Si je dis pas de bêtises. Ou c'est 2 tiers d'une famille. 2 tiers d'une famille gère 0,6 Morgan. Je crois. Bon, ça doit être moins avec le bœuf. C'est qu'une ferme suffit largement pour plusieurs champs. Une ferme suffit largement pour leurs champs. C'est-à-dire, je peux mettre une ferme et je peux faire un champ de 1000 mètres carrés ? Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais je peux pas mettre mes 4 bœufs. Je peux pas mettre mes 4 bœufs. Une ferme pour 3 champs ? Ok. On va faire ça, du coup. On va remettre des fermes à côté des... On va remettre des champs à côté des fermes. On est en novembre. Ah, pouce en bas, les gars. Pourquoi pouce en bas ? Pourquoi pouce... Mais pourquoi pouce en bas ? Personne n'est pouce en bas, là. De la bière ? Vous êtes chiant, hein ? Comptoir commercial. Personne. Transport, commerce. Exportation de pierre, oui, bon. D'accord. Plantation de planches, on s'en fout. Ah bah, surplus souhaité. Bah non, mais ça c'est très très con ce qu'on a fait. 40. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. 40 et... est-ce qu'on a un autre truc? Je pense pas pour le moment. Moins 120 dans la gueule. Dans la gueule. Là, on a du malte. Hein. Est-ce que je remets la deuxième bête? J'ai plus qu'une bête. Une bête non affectée. On peut aller en racheter une, peut-être. Commerce, importation. Surplus souhaité 2. Une mule. Importation. Non. Un bœuf. Des agneaux. Allez, on va rester comme ça. Même une ferme pour 4, ça dépend du nombre de familles. Tu peux maxer la main d'œuvre lors de la récolte, laisser 3-4 familles pour la semence. En hiver et pendant la pousse, la ferme peut être vide. Ouais, ça j'ai bien vu. Les affectations sur les habitations, tab. J'ai dit il y a une minute. Tu peux faire des censifs plus grandes qui ont plusieurs champs avec une seule habitation. Avec des censifs plus grandes qui ont plusieurs chambres avec une seule habitation. Ok. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est plutôt comme ça que le jeu se jouerait. C'est un peu la vision que j'avais au début. En mode, une sensive à côté d'une ferme. Et donc du coup, le mec de la sensive, ils vont travailler dans la ferme. On va leur mettre un petit entrepôt au carrefour pour qu'ils récupèrent leur truc du marché qui était là avec les mecs qui auraient pu faire le lien. Et puis après, bah, faire leur petit business, quoi, dans leur coin. Sans nous faire chier. L'industrie ici. Attends. Bas fourneau, parce que j'ai complètement oublié ici, moi. On est sur de l'extraction, hop, de fer. Et derrière, on va avoir donc une petite forge avec les bas fourneaux. Let's go. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Un camp de bûcheron. Bonjour. Non, non, il n'y a plus de ça. Nous, on coupe tout. Ok, décembre. 135. 135, 44, 66. Pas terrible, hein? 54 derrière. Bon.
Donc du coup là c'est en train de croître, donc on n'a plus besoin d'avoir de gars. On peut les mettre à zéro. Ouais, c'est un peu chiant du coup, le système que j'ai fait. Je suis d'accord, je suis d'accord. Là, il nous manque de la nourriture. Ah, ils se foutent de ma gueule, les gars. Je pense qu'il manque de la nourriture différente pour qu'ils soient vraiment contents. Il y a 20 mecs qui foutent rien. On peut faire des trucs, hein. On peut les mettre à des endroits, les gars. Commerce avancé. On n'a plus que un bal. On n'a plus que un bal. Vas-y, je te vais te foutre là. Atelier de teinture, bah, je te mets un mec quand même, pour de respecter. Pour les champs optifs, j'ai vu que c'est au lieu d'un grand champ, tu fais 3 portions pour que ce soit un en jasseur, le temps que 2 soient travaillés, ce qui en fait une rotation de 2 saisons on pour 1 saison off. Bah moi c'est ce que je voulais faire, mais avec les fermes, total. Et au final, ce que tu dis a l'air d'être bien mieux. Oui. Un petit level up que j'ai vu là. 3 personnes à la taverne. Allez, vas-y. La tannerie. Oh, qui me tanne. Et donc du coup, on a refait un marché ici. Marche pas. Marche pas ton marché ici. Ouais, ça me nique, hein, 70. J'ai vu que c'était baissé. 0 sur 0. Pourquoi? Salut GG Spot. Hello BTD, only solo and campaign, I don't know yet. I think it's maybe a scam game. I think it's really good early game with known mechanics like in Banished game. And I feel pretty not confident about the future of this game. But I feel it's a good opening game. And I didn't test yet the fighting mode. C'est juste mode, princesse. Ah ouais, j'ai changé il y a pas longtemps. 75 ici. Ah, 0 sur 0, hein. Pas de labor. Mais avec un S, pardon. Je l'avais pas dû celui-là. C'était la petite surprise. Bon, on attend 7 sur 10. Bon. Mais j'avais pas 3 maisons là qui étaient en train d'arriver. Pensive en construction. Qu'est-ce qu'il nous manque? Du bois? Il ne manque pas de bois, hein. On a de la bûche, on a de tout, hein. 11 mois de nourriture, 11 mois de combustible. Il nous manque de la bière. On peut vendre des chaussures. On peut commencer à vendre des chaussures. Effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais... Ah ouais, c'est dingue. On importe de l'orge et c'est finito, quoi. Il n'y avait pas de commerce. On va récupérer un peu de thunes. Bah d'ailleurs, justement, on va exporter. On va exporter, donc qu'est-ce qu'on a? Merci, Masaki. On va exporter des chaussures. Merci beaucoup pour ton 5e mois consécutif. 192. Oh non. Oh. Rigolo. Total non affecté. Un bœuf. Pense quoi de Malorneur? Bah, c'est bien de le dire. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Si vous êtes proche de votre argent, 30€ pour ce jeu-là, je le ferai pas. Il y a d'autres jeux qui coûtent moins cher et qui regroupent à peu près les mêmes mécaniques. Qui sont peut-être un peu moins beaux, qui sont moins hype du moment. Et je pense que c'est un jeu qui, dans 5 jours, n'existe plus sur l'internet, sur Twitch. Donc attention. Si vous êtes juste généralement sujet à du binge-watching, à consommer rapidement quelque chose, ça peut être un trap pour vous. Ça peut être le jeu du mec qui a développé son jeu pendant 7 ans là, et puis bon, au lieu de faire un studio pour finir le jeu, bah en fait il prend ses 2 millions d'euros, il se casse quoi. Et puis le jeu reste comme ça. Et le jeu n'a pas l'air d'être trop mal, mais le jeu n'est pas fini, le jeu n'est pas complet. Il dit qu'il a fait en 7 ans 30% du jeu. Donc, attends.
attend 2-3 mois pour voir qu'est-ce qu'il va faire, le mec. Voir qu'est-ce qu'il va faire et comment ça évolue. Moi, il y a des jeux comme ça en alpha. Bah, au bout de 3-4 mois, j'ai pas réussi à continuer parce que bah, la hype un peu était retombée. Et je pense à Big Ambition, j'en avais parlé tout à l'heure. Bon, le jeu est correct. Hein. Pour le début, là, de ses mécaniques, de sa logique, de ce qu'on doit faire, de comment ça évolue. C'est un peu lent, je trouve, quand même, parce que là, moi, je... Ah, peut-être que je suis nul, mais... Problème avec l'orge. J'ai pas très très bien joué mes fermes, donc du coup, j'ai mieux compris à maintenant. Mais bon... Attends. Donc là, en gros, une famille, ça devrait être bon. Hein. Je pense qu'une famille partout, c'est correct. On va garder 6 mecs ici. Pourquoi vous êtes pas en train de construire? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire? Ah, c'est les defensives niveau 2, etc. Là. Voilà, on récupère les besoins. Là, ça va mieux, là, tout d'un coup. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait le brasseur, en fait, qu'on avait évolué. Et pas ça. La brasserie, on avait évolué la brasserie. Peut-être. Construction étale de vêtements. Vient d'être fait. Où ça? Ici? Non. Ou de côté, du coup? Voilà, deuxième marché, ici. On a des gens qui peuvent venir au fur et à mesure. Manque de divertissement. Merde! Mais quelle bande de cons. Manque de divertissement. Mais je t'en foutrais, moi, du divertissement. J'ai pas de divertissement à te donner, moi. Eh, c'est ça, le pire. Impôts. Je peux te donner des impôts, ça va te divertir. Comme aux États-Unis. Obligé de payer des mecs pour leur faire leurs impôts. Alors ça, bah, je peux te dire, ils rigolent bien. Ah, ça les fait bien rire, je pense. 58 sur 90. De toute façon, ça a été effectué. Ok. Là, on laboure. Pardon. C'est un peu tard, les gars. On va en enlever un petit peu. Je pense que on va mettre une dizaine avec les quatre bœufs, là. Ça devrait aller. Et je vois pas les familles en train d'intervenir. C'est ça qui me dérange. Après, je fais que les changer à chaque fois aussi, les pauvres. On a toujours le mec dans le moulin. Lin, 80. Malt. De la bière. Le brasseur. Brasseur, regardez-moi ça. Bah voilà, la brasserie. La brasserie, en fait, elle est en tempo depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai des problèmes au niveau de la bière. Alors que le malt, je veux dire, ça turbine. D'ailleurs, est-ce qu'on a encore de l'orge? Plus. On fout. 195, on pourrait d'ailleurs en ramener un peu d'orge. Priorité maximale hein, pour ça. Et du bois. Qu'est-ce qu'ils nous font chier avec le bois là? J'ai pas de bois là. Provision. Ruine de grenier. Faudrait peut-être un autre entrepôt en fait. Pas assez de place dans l'étable. Construisez des poteaux d'attache. Votre bétail va s'enfuir. Bite de yinche. C'est où? Là. Fort bétail. Je peux pas en mettre un autre là? Commerce, bétail. Photo de bétail, c'est où ça? C'est là. Photo d'attache. 79%, qu'est-ce qui s'est passé? Manque de divertissement. Hein. Toujours, hein, cette fâcheuse brasserie, là. Il n'a pas level up. Pas rapidement, en tout cas. Vas-y, le bœuf! Voilà, le deuxième bois, on vient de le voir. 261 balles. Bim, deuxième bête. Je passe en étape 7 sur 7. Okay. Et voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon encore. J'y ai cru. J'ai plein de constructions à faire. Hein.
Là, tu labours de dingue. Vas-y, t'es en avril. Peut-être tu vas rattraper, ouais. Tu vas rattraper les saisons, mon gars. Pas de soucis avec ça. Oh, le petit cueilleur. Cueilleur, on est reparti. 56 sur 64, ça va. Ça va. Un petit peu de cueillette. Ça va nous faire du bien. On n'a plus que 8 baies. Alors, c'est bon, c'est bientôt. On y est. Ouais, c'est vrai qu'on a le transport de marchandises ici avec les petites places en étable. Commander un autre bœuf. Commander un autre bœuf, moi. Bon. C'est bon. C'est revenu. Et t'as la nourriture. Deux types de nourriture. Hop, hop. Voilà. Quatre types de nourriture. Quatre types de nourriture. Est-ce que ça refait directement 131 malt. Ok. 4 bières. 68 chaussures. Allez, les gens sont contents. Il leur faut leur quatrième type de nourriture. 9 sur 10. Il me manque ça. Très haute. Construction terminée au niveau du poteau d'attache. Au revoir. Nouveau cheval. Nouveau bœuf. Passe en étable. 8 sur 7, bah alors. Faudrait que je le mette sur quelque chose. Ça c'est terrible hein. Est-ce qu'on a des planches pour level up ça? Pourquoi on peut pas le level up? Ok. On peut. Ah ils vont à balle. En vrai, heureusement qu'ils sont là. On lui donne une release et même en 1.0 le dev est pas fini. C'est une alpha, le jeu prometteur dans son genre, je vois pas pourquoi être déçu. Ah. C'est normal d'être déçu. C'est normal en fait. Si, moi je trouve que c'est ok. Et tu peux être déçu parce qu'on peut s'attendre toujours à avoir, tu sais, des petites révolutions, tu lances un jeu, etc. La couverture elle est vachement jolie. C'est-à-dire que le pain en chocolat il a l'air d'être bon là. Ça a l'air d'être pas mal ce qu'il a sorti du four le gars. Et au final, ça retombe un petit peu, le soufflet, etc. Parce que il y a 95% de chances que ce jeu, de 3 jours, ça soit fini. Vraiment, moi je vous le dis. Hein. Peut-être que le mec, c'est Jésus. Peut-être que c'est Mère Teresa. Et qui va faire ce studio de jeux vidéo, il va recruter 50 mecs et dans 3 semaines, on va avoir une avancée, tu vois, dans le jeu. Et si ça dure 4 ans pour qu'on ait le jeu qui soit fini et qu'ils se prennent tout d'un coup pour Civilization Firaxis, bah, c'est spécial, quoi, quand même, comme délire. Il y a des gens, ils ont acheté pour, je sais plus là, le jeu dans l'espace, là. Ils ont une alpha depuis 10 ans, donc moi, je suis pas du tout dans ces délires-là. La game 1, une animation de dingue. J'ai hâte. Toi, je m'en fous un peu, tu vois. Ah ouais, je trouve que j'ai... Je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis pas forcément déçu. Je vais être déçu, en fait, quand peut-être... Je vais me retrouver fin de mission, fin de journée, ou la semaine prochaine, en mode bon bah voilà, le jeu est fini et il en restera là, normalement. Les combats ne seront pas le corps du jeu et qu'il ne fallait pas s'attendre à un Total War. Merci Zidane, merci. Ouais, non mais moi non plus je m'attends pas à ça. Hein. C'est... J'aime pas trop forcément les Total War. Je les accepte. Sont acceptés mais pas plus que ça. Donc qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah bah voilà. Enfin, niveau de colonie amélioré. On est ville moyenne. Qu'est-ce qui se passe? Un nuage? Ok. Ville moyenne. Ah merde. On n'y est pas encore. Nouveau chariot de bus, chariot de nourriture. Ça m'a l'air d'être pas mal quand même. Quand j'ai réfléchi un petit peu, ça m'a l'air d'être bien. Les moutons. Non, non. Allez, fournisseur étranger. Et donc du coup, là, maintenant, on va faire quoi?
Ah, juste à augmenter les maisons? Bon, bah d'accord. On va augmenter les dernières maisons. Il faut en augmenter encore 5. Pas si simple. On a de la bouffe, hein. On a de la bouffe. De la teinture, ça. On a de la... On a du malt. Donc on n'a pas besoin d'avoir des mecs à la malterie. Du fil, de la toile, du cuir, de la laine. On a du lin. On a du pomme, des miels. On a 4 sources de nourriture, donc ça c'est pas un problème. La tuile, bon. Ça sert plus à rien la tuile. Un entrepôt spacieux là. J'ai l'impression que les constructions à la fin c'est un peu compliqué. Hein. Ça va soit pas vite ou alors il est. Peut-être que mon land il est pas bien organisé. Hein. 8 sur 8, c'est bon. Normalement il y a des bœufs là qui sortent un peu partout pour aller aider. Regardez-moi ça quoi. Ils sont pas à balle. En train de récupérer du bois en plus. 231 de bois, 25 planches. Je l'ai pris sur Skillroll, je suis pas trop déçu. Je le délai en ce moment, je sais pas que je sais moi Skillroll. Les draws c'est les méchants normalement les draws. 485 de richesse régionale. Non mais dites rien. Ne dites rien de ce que c'est. Non, c'est bon. Vous à peu près, j'imagine. Qu'est-ce qu'on aurait besoin pour level up les gars? Qu'est-ce qu'on a besoin? Des tuiles. Non. Des planches. Des planches. Let's go. Et avec les sous, une réduction... réduction des impôts. Ah, il n'y a pas d'impôts. Du coup, ça va. Okay, on va pouvoir faire du blé un peu en masse en vrai. Lin 62 toujours. Le stockage ici, pourquoi j'ai deux mecs? Parce que j'ai deux chevaux. Envie de te dire, voilà. Nouvelle compagnie de mercenaires disponible, ça on n'a pas encore vraiment fait. On a les drucs à droite, à gauche qui sont en train de se créer. Ah! Bientôt la mine à ciel ouvert. Le stockage ici. Entrepôt spacieux, là c'est reparti. Forge en construction, bas fourneau en construction. Mine à ciel ouvert, let's go. Bas fourneau, un petit mec, une forge. Putain, tout vient de se construire. On a un petit camp du bûcheron là tout en haut. On a des problèmes, on peut renvoyer ça. Construction du puits. Ah bon? Donc du coup, on a besoin de 4 level 3. On a assez de maisons d'ailleurs. Parce qu'on aura assez de level 1, level 2 et level 3. Niveau de colonie suivant, grande ville. Je crois que c'est la fin après. Après grande ville. Donc il me manque juste de la planche. La plancha. Est-ce que je te ferai pas un petit peu de commerce? Matériaux d'artisanat, la planche. La planche. Exportation, importation de planches. Let's go! Comme ça, on se prend pas trop la tête. On va améliorer tout ça. Tipiak, exactement. Les mêmes pirates. Les pirates bretons. 609 balles. C'est bien ça. Pourquoi ils sont pas contents? Manque de divertissement? Nourriture trop peu variée? Ah, tu te fous de moi? Oui, j'ai pas de pommes et pas de miel, mais quand même. La viande, c'est pour les grandes occasions. Sinon, c'est le pain. Nous, on fait du bon pain. D'ailleurs, c'est du pain à la bière. Parce que la bière, maintenant, on en a. Et pas aux chaussures. Voilà. Ok, c'est en train de récolter. Ça crope. On le voit ici.
On est en train de récupérer aussi un pot de fer, apparemment. Je sais pas à quoi il sert le fer. Ah bah si, pour les armes, je suis bête. Bon, on le fait, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, les level 3. On en a besoin de 4, hein. Alors, besoin d'un peu de planche encore. Niveau 1, niveau 2. Besoin non satisfait. Il nous en manque une. Oh, c'est quoi ça? Ah bah j'avais pas encore fait, ok. Poulailler. Le poule, nous. Approvisionnement de nourriture, deux types sur l'étal. Ah merde. Et on peut pas augmenter tout ça, du coup? Augmenter la taille de ce marché-là. Est-ce qu'il y a une étable ici, non? Une étale, pardon. Stock général plein. Ouais, mais on s'en fout de lui. 40 planches. Level 3. Hop, c'est cliqué. C'est cliqué. Je mets même un petit niveau 2 là en plus, histoire de... être un peu classe. Mais un petit peu de légumes. Potager ici. Et peut-être qu'il nous faudrait faire un autre grenier. Hein. Oh, ça devrait aller quand même. L'entrepôt. L'entrepôt, ça va aussi. Triple jachère. Triple jachère, on va se mettre bien. Hein. On a du pain qui est rentré, on a du blé, du lin, de l'orge. On a du grain de dingue. On a tout. On a tout maintenant. Il nous faut... Ah, pas de bougie, pas de sel. Comment on compte faire de la bougie? Comment on compte faire de la bougie? Il y a un truc pour être bougicien? Bière. Faut pas de bougie. Hein. Et cochon? Eh, bien sûr! Ça suit! Mais y'a pas de cochon. Y'a pas de cochon. Et encore une fois, un choix. Étonnant. Nouvelle famille qui s'installe au village, let's go. Là, les frérots. On va t'en laisser un dans chaque ferme à chaque fois. J'aime pas voir le rouge. On va en laisser 4 ici. Le bois, ça va? Le bois, ça va. Les bûchettes. Les bûchettes, ça va. On peut te mettre 2 boisilleurs d'ailleurs. Tant de bûcherons. Peut-être qu'on peut t'en mettre même 3. Alors comment ça se passe ici? 12 sur 15. Étale de bûche. On vient de se faire. Malterie, toute cette merde là, je pense que c'est bon. Ah, on a un peu d'orge. On va quand même le faire. On a 7 personnes qui ne font rien actuellement. Entrepôt spacieux. Ok. On a encore des level up ici. Pas sûr que ce soit très très malin de le faire. 27 sur 20, non mais de toute façon on a les 3 là qui vont arriver en plus. Donc on a qu'à attendre. 653 gold. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire en plus? Vous voyez, on est un peu limité là, quand on n'a pas la partie militaire, moi je suis là, bon... peut importer des trucs mais... on est autosuffisant là. On a break le game, on est 200 les gars, on se fait une ville à 200, on est bien. Une ville à 200, moi je suis ok. Allez, un deuxième curé. Deuxième curton là. La taverne, il y a des mecs. La brasserie, est-ce qu'elle arrive à s'en sortir en fait, la brasserie level 3? J'ai l'impression qu'elle s'en sort pas de dingue.
Ah merde. Construction du marché. Est-ce qu'on peut pas augmenter là le marché? Emplacement, point de passage, placer un marqueur. Emplacement d'extension. Et ça fait quoi si on fait ça? Est-ce qu'il y a des nouveaux mecs sur le marché qui se mettent ici? Parce qu'ils sont non satisfaits apparemment mes copains là. Je trouve assez étonnant. Parce qu'on a beaucoup de bouffe. Ah, il n'y a plus que 4 baies. Effectivement. Un petit peu d'importation d'un autre truc. Ça pourrait pas nous faire du mal. Là, le miel. Importation de miel. Voilà. On se met 30 miel. 737. On va voir combien on va perdre d'argent. Je pense que ça va être insane. Je pense qu'on va être heureux à zéro, encore une fois. Mais il n'y a pas d'imposition, donc on gagne un peu d'argent, je pense. Après, il y a des mecs qui sont level 3 maintenant. Les bourges, là, les nobles. Ils doivent rapporter du pognon, là. En vendant leur pain, il n'y a pas une taxe. Sur la croûte. 6-5. Taxons les riches, bordel. Personne n'est taxé. Personne n'est taxé, les gens sont en décentralisation. Interne, ensemble. Ils se regroupent sans loi. Et c'est bien. C'est bien. Ah, ça tourne bien. Ça tourne bien. Bon, il a fallu 2-3 tests. Mais là, ça va mieux. Rien à faire ici. 1213. Je vais importer des pommes. Je vais importer des pommes. Laisse-moi importer des pommes. Comptoir commercial. Commerce. Importation de pommes. Bam. Et je te mets 30 pommes. Tranquille. Viande. Ouais, de la viande. Ouais, de la viande. Il nous faut de la viande. Il nous faut de la viande. Importation en viande. Obligé. 1700. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des sous? À quel moment, en fait, on a commencé à péter le plafond, là? On n'a aucune idée de comment on a pété le plafond. Là, je gagne 500 par 500. Pourquoi? C'est parce que j'ai des level 3, maintenant. C'est ça qui s'est passé? J'ai encore une petite maison, là. Je vais repasser les trucs niveau 3, parce qu'apparemment, c'est free bull. Très bon slogan de campagne, les pommes. Pas très bon, les pommes. Donnez votre argent pour des pommes. C'est ça que je vous promets. C'est tranquille. Et donc, du coup, de la viande, des légumes, du pain, des œufs, des pommes, du miel. On est à 2193 balles. Il y a un problème. Plus j'importe, plus je gagne de l'argent. Il y a un problème. Importation de baies. 65. Allez, let's go. Qu'est-ce que j'exporte pour... J'exporte rien en plus. Non mais... J'exporte rien, je pourrais exporter mes chaussures. Si j'ai un peu d'exportation de pierre. Et j'avais de l'importation de planches aussi. J'en ai plein, j'en ai 77 maintenant. Ça va aller. Importation d'orge. Voilà, comme ça on se laisse à 40 sur l'orge. On peut faire un peu de seigle aussi. Voilà. Maintenant on en est. Hop. Ok. On n'a pas reposé des étals ici, c'est un peu étonnant ça. Je comprends pas pourquoi on est en rouge là. 4 mecs dans cette sensive là. Pourquoi ils me disent que dans... Ah, Sol on the Market Soul. Ben ouais, mais j'ai tous les types de nourriture. Tu me mens? On vient de prendre à moins 300 quand même. On va mettre des mecs ici. Port au bétail en OZEF. 1521. On est en mars. Il y a de la jachère. Du pain, du lin, de l'orge. J'ai 400 kills de farine. J'ai...
de la chaussure, je peux te chausser tout le continent si tu veux. 14 sur 15 au niveau des sensibles, niveau 3. Il y en a une qui arrive là, ça sera la dernière normalement. 8 sur 8, des petits moutons. C'était pas un problème non plus, je peux te faire un deuxième mec à l'atelier de tissage. On a 7 mecs qui foutent rien donc. On a la possibilité de. Des teintures 187, c'est trop. Métal de vêtements. Ok. Je mets un deuxième mec ici. Troisième mec à la tannerie. Je n'ai plus de construction véritablement à faire. En vérité. Ah! Le début! La cabane! Hein? La win! Jour écoulé 2224. 1. 8 ans! 8 ans! Merci Lucas. Affrontement emporté, ennemi tué 127. C'était des animaux. Continue à jouer en mode Dagasta. Work in progress, expand more cool data here in future. C'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit le mec. Ok. Première game qu'on a fait avec le premier mode. Vraiment tuto sur un macro de comment est conçu le jeu. Économiquement parlant, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour essayer de snowball, comment fonctionne la food, comment fonctionnent tes ressources un petit peu partout, le commerce extérieur, intérieur. Donc intéressant, une bonne idée en tout cas de mettre une première map comme ça avant d'inclure évidemment tout le côté militaire. Donc on fera le militaire demain ou après-demain et puis bah on va switcher sur un petit peu de civilisation.